Alors, je suis arrivée d'abord au CHU de Limoges en janvier 1976, persuadée qu'il y avait déjà des diététiciennes en exercice à l'époque au niveau du CHU. Et je fus très surprise d'arriver et de constater que j'avais été recrutée avec deux autres collègues pour créer le service diététique en janvier 1976. Donc, rien n'existait. Il a fallu tout construire, bâtir, se faire accepter dans les services de soins, puisque la diététicienne, on ne savait pas trop ce qu'elle venait faire, en quoi consistait son travail, ses activités. Donc nous avons eu, nous, la chance sur Limoges, parce que j'ai travaillé avant dans d'autres établissements, de travailler en étroite collaboration avec un chef cuisinier, donc qui était Monsieur Defaux, qui était très ouvert, qui était très à l'écoute, et nous avons eu une collaboration très fine et très étroite dès le départ. Et j'ai beaucoup apprécié parce que j'ai travaillé dans deux autres établissements avant et les choses ne s'étaient pas du tout construites de cette manière-là. Donc nous avons construit des plans alimentaires, nous avons fait des menus. À partir de ces menus, nous avons bien sûr construit d'autres menus qui s'adaptaient à tous les grands régimes standards. Puis ensuite, nous avons pris en charge les patients qui avaient des régimes spécifiques. Nous essayons de donner une autre image de la diététicienne et de la diététique. Qu'est-ce que c'est avant tout, pour la plupart des pathologies? C'est mettre en place une alimentation équilibrée qui corresponde aux besoins, aux attentes et aux plaisirs du patient. Il faut arrêter de dire, le régime avant tout, les restrictions, etc. Non, déjà pour la plupart des gens, avoir une alimentation équilibrée, c'est effectivement quelquefois déjà très restrictif pour certains, hein. Donc on essaie quand même d'avoir un choix large d'aliments et de vraiment nous sommes très attentifs, vraiment très attentifs au plaisir. Et je pense quand même que le CHU de Limoges est bien placé en ce qui concerne le choix des aliments. Nous avons une carte large de plats à proposer aux patients et je pense que là, c'est important et c'est une reconnaissance du travail qui est effectué.